Dans ce film, nous allons examiner ensemble, avec vous, le plus petit composant de l'univers, c'est-à-dire l'atome. Dans les livres d'école, l'atome qui nous semble parfois être le titre d'un sujet fastidieux, abrite en fait des vérités très importantes, et il nous présente les preuves scientifiques importantes de l'existence d'Allah. Miracle de l'atome. Les atomes sont partout. Tout ce que nous appelons matière, c'est-à-dire notre propre corps, notre chambre, notre maison, sont en fait constitués d'atomes. Quant à la raison pour laquelle nous percevons les choses de notre entourage comme de la matière, ce sont les collisions des photons avec les électrons en orbite autour des atomes, la répulsion mutuelle des atomes ou leur attraction. En fait, vous ne touchez même pas le fauteuil dans lequel vous êtes assis en ce moment. En réalité, les atomes dans votre corps repoussent les atomes de vos habits et du fauteuil, et en fonction de l'intensité de cette répulsion, se réalise la sensation du toucher. En fait, nous ne pouvons jamais toucher la matière que nous tenons avec notre main. Si nous touchions vraiment la matière, nous entrerions en réaction chimique avec celle-ci. Et dans une telle situation, il n'y aurait certes pas eu la vie. Chacun des trillions d'atomes qui composent votre corps est rempli d'électrons qui tournent à une vitesse de plusieurs milliers de kilomètres à la seconde. Vous ne vous en apercevez pas, mais dans chaque partie de votre corps, il y a des atomes qui tournent à une vitesse vertigineuse, qui ne perdent jamais leur équilibre, qui ne se dispersent pas et qui ne se désagrègent pas. Très bien. Comment cet équilibre est-il apparu ? Tout a commencé avec une grande explosion. L'odeur de la terre, le bleu éclatant du ciel. Il fut un temps où toutes choses étaient réunies en un seul point dans une densité et une chaleur infinies. Les scientifiques ont calculé que cet instant s'est produit il y a environ 15 milliards d'années. Cet instant était le commencement du processus de rassemblement des atomes et des particules subatomiques qui sont la structure de base de la matière et lesquelles ont été formées après une grande explosion. Tout a été calculé jusqu'au moindre détail. À partir de ce premier instant, la structure de base de tous les systèmes qui vont former la vie avait commencé à prendre forme à l'intérieur d'un plan déterminé. La structure de l'atome fut également expliquée avec ses détails dans les livres de physique ou de chimie. Seulement, il y a un point très important qui est toujours omis. Dans un si petit volume, comment un système reposant sur des équilibres si sensibles est-il apparu? Pourquoi, après le Big Bang, les protons et les neutrons se sont-ils réunis et pourquoi les électrons ont-ils commencé à graviter autour de ces derniers? Comment s'est-il fait que cet événement extraordinaire fût répété dans chaque point de l'univers, que la structure parfaite qu'on appelle atome soit apparue en nombre pratiquement infini? Toutes ces questions en rapport avec l'origine de l'atome nous amènent à une seule conclusion. Il y a une création consciente qui règne sur tout l'univers. Les scientifiques appellent cette création extraordinaire le fin réglage, et ceci montre l'existence d'un créateur qui règne sur tout l'univers. Ce créateur supérieur est Allah le Tout-Puissant, qui est le Seigneur de tous les univers. Je demande la protection d'Allah contre le diable. Il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement « soit » et elle est aussitôt.
Première partie, la structure de l'atome. Les atomes sont de telles petites particules que même avec les microscopes les plus puissants, il n'est pas possible d'en voir un. Le diamètre d'un atome est seulement un millionième de millimètre. Considérons cela avec un cas. Par exemple, si vous dites « Je veux voir les atomes de cette clé que j'ai dans ma main », nous devons agrandir la clé aux dimensions de la Terre. Eh bien, chaque atome à l'intérieur de cette clé ne serait alors que de la taille d'une cerise. Très bien. Qu'y a-t-il donc à l'intérieur d'une structure aussi petite que l'atome? Examinons ensemble cette structure complexe et parfaite qu'on appelle atome. Chaque atome est formé d'un noyau et des électrons qui gravitent sur les orbites très éloignées du noyau. Quant à l'intérieur du noyau, il y a d'autres particules dénommées protons et neutrons. Jusqu'à un récent passé, on pensait que les plus petites particules de l'atome étaient celles-ci. Seulement, à la lumière des dernières données scientifiques, on a découvert que les protons étaient composés de particules encore plus petites, les quarks. La force cachée dans le noyau. Le noyau se trouve au centre de l'atome, et selon la nature de l'atome, il est composé d'un certain nombre de protons et de neutrons. Quant au volume du noyau, il est de 1/10 milliardième du volume de l'atome. Il est certes impossible d'imaginer cette grandeur. Dans ce cas, continuons sur l'exemple de la cerise. Comme nous en avons parlé peu avant, lorsque vous amenez la clé dans votre main aux dimensions de la Terre, des atomes de la taille d'une cerise se présenteront à vous. Si nous voulions voir les noyaux à l'intérieur de ces atomes, il nous faudrait changer d'échelle. Cette fois, la cerise qui représente notre atome devra être un grand ballon de 200 mètres de hauteur. Au regard de cette taille extraordinaire, le noyau de notre atome est toujours comme une très petite particule de poussière. Seulement, il y a une situation plus étonnante que cela. Malgré le fait que sa taille soit de 1/10 milliardième de celle de l'atome, la masse du noyau constitue 99,95% de la masse de l'atome. Très bien, comment se fait-il que d'un côté, il constitue environ la totalité de la masse et que de l'autre côté, il n'occupe pratiquement pas de place? La densité formant la masse de l'atome n'est pas répartie de manière égale dans tout l'atome, c'est-à-dire que pratiquement toute la masse de l'atome est accumulée dans le noyau de l'atome. Le vide dans l'atome. Les nombres nous démontrent qu'une très grande partie de l'atome est composée de vide. Avec l'explication la plus simple, un atome se compose d'un noyau et des électrons qui gravitent autour de celui-ci. Entre le noyau et les électrons, il n'y a rien du tout. Ce rien du tout de taille microscopique est en fait très large à l'échelle de l'atome. Essayons de comprendre ces dimensions avec un exemple. Il règne un très grand vide entre les particules de base. Si j'imagine le proton d'un noyau d'oxygène comme la tête d'une épingle, se trouvant sur une table à Paris, alors l'électron qui gravite autour de lui décrira un cercle qui passe par la Hollande, l'Allemagne et l'Espagne. L'intérieur du noyau, les protons et les neutrons. Les protons et les neutrons qui se trouvent dans le noyau de l'atome forment 99,95% de la masse de l'atome et sont la source de la diversité de tous les éléments qui se trouvent sur Terre. Sur Terre, il y a 109 éléments. Certains de ceux-ci sont des éléments que nous connaissons de près comme l'oxygène, l'hydrogène, l'or et le cuivre.
Très bien. Puisque tous les atomes qui forment les éléments sont composés des mêmes particules, dans ce cas, qu'est-ce qui fait que les éléments sont différents? Eh bien, sur ce point, le nombre des protons qui se trouvent dans le noyau a de l'importance. La chose qui différencie les éléments, c'est le nombre de protons dans leurs atomes. Par exemple, dans l'atome d'hydrogène qui est l'élément le plus léger, il y a un proton, dans l'atome d'oxygène 8 protons et dans l'atome d'or 79 protons. Eh bien, la caractéristique qui distingue l'or du fer et le fer de l'oxygène est seulement cette différence dans le nombre de leurs protons. L'autre bout de l'atome, les électrons. Les électrons sont des particules qui gravitent autour du noyau de l'atome. Cette gravitation sur des voies qu'on appelle orbites se réalise dans un très grand ordre et de manière ininterrompue. S'il fallait faire une comparaison entre la taille des électrons et celle de la Terre, si nous agrandissions le noyau d'un atome autant que la Terre, l'électron n'atteindrait que la taille d'une pomme. Des dizaines d'électrons qui tournent sans cesse dans une aire si petite que même les microscopes les plus puissants ne peuvent pas voir, gravitent sur différentes orbites autour du noyau et ont une vitesse extraordinaire de 1000 km à la seconde. Cette vitesse signifie pouvoir aller d'Istanbul à Antalya en une seconde. Les quatre forces dans l'univers. Il y a certaines forces qui maintiennent ensemble la structure intéressante de l'atome que nous avons expliquée jusqu'ici. Pour comprendre cela, regardons d'abord le centre de l'atome, c'est-à-dire son noyau. Par exemple, le noyau d'un atome de carbone. La masse atomique de l'atome de carbone est 6. Ceci signifie que dans le noyau, il y a 6 protons. Seulement, il y a une situation intéressante. Tous les protons sont chargés avec une charge électrique positive et les particules qui ont la même charge se repoussent. Très bien, comment se fait-il que les protons qui doivent se repousser les uns les autres restent ensemble? Face à cette question, les scientifiques ont considéré comme admis qu'il y a une force qui maintient ensemble les protons et ils ont désigné cela sous le nom de force nucléaire forte. Cette force nucléaire forte est l'une des trois forces de base qui ont un effet à l'intérieur de l'atome. La deuxième force est la force nucléaire faible qui se trouve à côté des protons et qui influence les neutrons. Quant à la troisième force, c'est la force électromagnétique qui maintient dans leur orbite les électrons qui gravitent autour du noyau de l'atome. Les électrons sont chargés négativement et sont attirés par la force électromagnétique vers le noyau chargé positivement. La force centrifuge qu'ils obtiennent en gravitant équilibre la force électromagnétique et ainsi, ils restent constamment dans l'orbite. En plus de ces trois forces de base, lesquelles sont seules à agir sur l'atome, il y a encore une quatrième force qui agit sur l'ensemble de l'univers, et celle-ci est la force de pesanteur. Les connaissances que nous avons expliquées jusqu'à maintenant se trouvent dans pratiquement tous les livres de physique. Seulement, il y a une réalité très importante dont on ne parle pas la plupart du temps. Les intensités de ces quatre forces de base dans l'univers sont très différentes les unes des autres, et cette différence repose sur un équilibre très fin. Par exemple, la force nucléaire forte est 1 milliard de milliards de milliards de fois plus grande que la force de pesanteur. Et entre la force nucléaire forte et la force électromagnétique, il y a une différence plus grande qu'1 million de millions de fois. Si ces valeurs avaient été un peu différentes, que se serait-il passé? Par exemple, si en ce moment, la force nucléaire forte des atomes qui composent votre corps diminuait ne serait-ce qu'un peu, votre corps serait fracassé en un instant. Pour cela, même une variation de 1 millième serait largement suffisante. Mais les atomes qui composent votre corps et les autres matières restent stables en permanence grâce à l'équilibre sensible des quatre forces de base.
Cette sensibilité dans la valeur des quatre forces de base a extrêmement étonné les scientifiques. Le célèbre astrophysicien Paul Davis, qui est l'un de ceux-ci, a fait ce commentaire. Si des valeurs numériques un peu plus différentes avaient été choisies, l'univers aurait été un endroit bien plus différent, et dans une grande probabilité, nous n'aurions pas été là pour le voir. Plus l'être humain fait des recherches sur la cosmologie, plus le caractère extraordinaire se précise. Ces découvertes concernant le commencement de l'univers montrent que l'univers fut ordonné avec une sensibilité suscitant l'admiration. Le fait que l'univers soit organisé avec une sensibilité suscitant l'admiration, cela veut dire qu'il fut créé. Quant à un autre aspect de cette réalité qui attire l'attention, il apparaît dans l'explication des notions utilisées. Nous avions précisé que les scientifiques avaient défini les forces physiques dans l'univers comme les quatre forces de base. Toujours est-il que cette définition n'explique pas pourquoi de telles forces existent et pourquoi elles sont très équilibrées. Si nous allons encore plus loin dans ces définitions, nous ferons face à la réalité qu'Allah, le possesseur de la puissance supérieure, maintient à chaque instant l'univers dans un ordre. Cette vérité à laquelle est parvenue la physique moderne n'est en fait rien d'autre que la découverte d'un secret communiqué dans le Coran il y a de cela 1400 ans. Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'il s'affaissait, nul autre après lui ne pourra les retenir. Il est indulgent et pardonneur. Deuxième partie, le deuxième palier emmenant à la matière, les molécules. Au début, on a dit que la structure de base de toute chose que nous voyons autour de nous est l'atome. Et certes, jusqu'à maintenant, nous avons été témoins du fait que les équilibres parfaits dans l'atome sont protégés avec un réglage très sensible. Dans cette partie, nous allons faire un pas de plus et nous allons examiner comment, en se réunissant, les atomes forment les molécules, qui sont un autre maillon de la chaîne des miracles. Les molécules sont les plus petites unités qui déterminent les particularités chimiques de la matière. Ces petites structures se composent de deux atomes ou plus, et certaines de milliers de groupes d'atomes. À l'intérieur de la molécule, les liens chimiques, reposant sur la force d'attraction électromagnétique, maintiennent les atomes ensemble. Et avec le rassemblement des molécules sous diverses formes, apparaît la variété de matière que nous voyons autour de nous. L'élément fondamental de la vie animée, l'atome de carbone. Le carbone est l'élément le plus vital pour les êtres vivants, car toutes les matières vivantes ont été formées à partir de composés de carbone. Toutes les structures organiques extrêmement différentes, de la membrane cellulaire à l'écorce de l'arbre, du cristallin jusqu'au blanc d'œuf, sont formées de composés à base de carbone. L'atome de carbone produit différentes matières, en s'unissant dans des formes géométriques et des ordres très variés, en s'unissant sous 1 700 000 différentes formes avec les atomes d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. L'une des particularités les plus importantes des atomes de carbone, c'est qu'en s'alignant les uns à la suite des autres, ils peuvent former une chaîne très facilement. Certains des composés de carbone ne sont formés que de seulement quelques atomes. Quant à d'autres, ils sont issus de milliers et même de millions d'atomes. De tous les éléments, seuls les atomes de l'élément carbone peuvent former des composés si longs et durables. Le carbone, au regard du nombre et de la diversité des composés, est complètement différent des autres éléments. Il a une structure originale. Jusqu'à maintenant, plus d'1 demi-million de différents composés du carbone furent caractérisés et définis.
Mais même cela donne une information très insuffisante au sujet de la conception spéciale du carbone, car le carbone constitue la base de toutes les matières vivantes. Concernant le fait de comprendre complètement la capacité de l'atome de carbone, la science est aujourd'hui insuffisante. Dans les laboratoires, les scientifiques forment tous les jours de nouveaux composés. Pour l'instant, il est possible de parler d'environ 2 millions de composés. De nos jours, nous savons que l'atome de carbone peut former 1 700 000 composés. Alors que les autres éléments peuvent former à peu près 300 000 composés, de manière extraordinaire, le carbone, lui, peut exactement faire 1 700 000 composés. Par conséquent, l'atome de carbone constitue 85% des composés connus. Quant à la question, comment l'atome de carbone s'est-il formé la première fois, cela nous amène à un autre miracle. L'atome de carbone se forme avec une série de réactions nucléaires au centre des gigantesques étoiles. Seulement, ces réactions possèdent un équilibre physique si sensible, qu'y compris le célèbre scientifique anglais Fred Hoyle, malgré le fait qu'il soit matérialiste, n'a pas pu s'empêcher de dire qu'une conscience surnaturelle est intervenue dans la physique. Allah a créé l'univers avec une harmonie parfaite. Avec sa définition de conscience surnaturelle, Hoyle accepte l'existence manifeste d'Allah le Tout-Puissant. Troisième partie, les atomes qui s'animent. On ne peut certes pas penser qu'un jour, que les morceaux de pierre se trouvant dans la terre sans vie aient formé un être vivant. Seulement, certaines personnes prétendent exactement cela, c'est-à-dire qu'ils avancent que les atomes se sont réunis d'eux-mêmes et qu'ils ont soi-disant formé les êtres vivants par voie d'évolution. Quant au fait que ceci est une assertion contraire à la raison, c'est très clair, car les atomes n'ont pas de conscience et par conséquent, ils n'ont pas une aptitude comme s'organiser eux-mêmes. Par exemple, tout le monde sait qu'un avion n'apparaît pas lorsqu'on mélange l'aluminium, le plastique et l'essence. Ce n'est que lorsque vous réunirez ces matières de manière consciente, avec des calculs très fins et de façon à former un avion, qu'apparaîtra alors un avion. Par conséquent, pour que l'avion existe, la présence des matériaux comme l'aluminium, l'acier et le plastique n'est pas suffisante. L'avion est uniquement formé avec une conception consciente. Il en est de même pour les systèmes vivants. La cellule d'un être vivant a été formée avec la réunion des atomes sans vie, et ce, dans une conception très spéciale. Ce n'est pas le résultat du développement des cellules vivantes, de leur multiplication et de leurs particularités similaires, ni de la nature des molécules, mais le résultat d'une création parfaite. Quant à cette conception, c'est la création d'Allah qui crée les êtres vivants depuis les atomes sans vie. C'est Allah qui fend la graine et le noyau. Du mort, il fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. Tel est Allah. Comment donc vous laissez-vous détourner? Quatrième partie, la force de l'atome. Dans le noyau de l'atome se cache une très grande force. Cette force est si grande qu'avec la découverte de cette énergie, désormais, les êtres humains arrivent à faire des canaux géants qui unissent les océans, à ouvrir des passages dans les montagnes, à produire des climats artificiels. Cette force, qui est également utilisée dans le domaine de l'énergie nucléaire et de la médecine, a certes une importance vitale de nos jours. Le nom de cette immense force cachée dans le noyau de l'atome est la force nucléaire forte. L'opération technique, dénommée fission nucléaire, fait surgir cette force, et lors de cette réaction, de l'énergie se dégage en très grande quantité. La réaction qu'on appelle fission est le fractionnement d'un noyau de l'atome, lequel est maintenu ensemble par la force nucléaire forte, qui est la force la plus forte dans l'univers. Dans les réactions de fission, la matière principale qui est utilisée est l'uranium. Dans les expériences de fission,
Les scientifiques ont envoyé un neutron avec une grande vitesse sur le noyau d'uranium et ils ont découvert que le noyau commençait à se diviser en morceaux tout en diffusant une certaine quantité d'énergie. Et sous l'effet de l'énergie qui apparaît, le noyau d'uranium commence à éjecter avec une grande vitesse les morceaux qu'il abrite et par ce moyen, il fait commencer une réaction en chaîne. Et chaque noyau nouvellement divisé se comporte comme le noyau d'uranium du tout début. Ainsi, des divisions de noyaux en chaîne se réalisent. À la suite de ces mouvements en chaîne, comme de très nombreux noyaux d'uranium sont fractionnés, il se dégage une énergie d'une grandeur extraordinaire. Eh bien, dans les catastrophes de Hiroshima et Nagasaki, qui ont occasionné la mort de dizaines de milliers de personnes, ces divisions de noyaux en avaient été la cause. En 1945, à l'instant et tout de suite après l'explosion de la bombe atomique larguée par les États-Unis sur Hiroshima, environ 100 000 personnes sont mortes. Et à cause de l'autre bombe atomique larguée par les États-Unis sur Nagasaki, au moment de l'explosion, environ 40 000 personnes ont perdu la vie. Alors que d'un côté, la force émergente du noyau était la cause de la mort d'êtres humains, d'un autre côté, les villes furent détruites. En raison de la radiation, chez les gens de la région sont apparues des dégradations génétiques et physiologiques ne pouvant être corrigées sur plusieurs générations. Très bien. Alors que notre Terre, toute l'atmosphère, nous y compris, que toute chose animée ou inanimée est composée d'atomes, comment se fait-il que cette force formidable cachée dans l'atome n'apparaisse pas par les voies naturelles? Car l'équilibre parfait dans la création de l'atome maintient cette force sous contrôle. La réaction en chaîne, occasionnant une explosion nucléaire, peut uniquement être faite par des voies artificielles, c'est-à-dire par la main de l'être humain. Conclusion. Tout au long du film, nous avons examiné de très nombreux événements surprenants et miraculeux se produisant à l'intérieur de l'atome. On a vu qu'avec un corps consistant d'atomes, nous respirons les atomes dans l'air, mangeons les atomes dans les nourritures et buvons les atomes de l'eau. Quant à ce que nous voyons, ce n'est rien d'autre que la collision des photons avec les électrons des atomes de nos yeux. Très bien. Et ce que nous ressentons en touchant. Ceci est dû à la répulsion des atomes dans les objets par les atomes de notre peau. Quant à la structure de l'atome, elle possède un équilibre et un design extrêmement complexe. Par conséquent, aucune de ces structures n'a pu être formée par hasard, comme le prétend la philosophie matérialiste, laquelle nie l'existence d'Allah. Le hasard, s'il existait, engendrerait uniquement des confusions, des dégradations, des irrégularités et des erreurs. Quant à l'harmonie, l'ordre, et l'équilibre magnifique dans l'atome, cela nous montre que la vie est le produit d'une création consciente et parfaite. Toutes ces vérités scientifiques que nous avons regardées jusqu'à maintenant font effondrer de manière indiscutable la philosophie négatrice et prouvent que l'origine de toute chose, animée et inanimée, n'est pas le hasard, mais la création. Quant au créateur de chaque chose qui existe, c'est Allah le Tout-Puissant, le Seigneur des univers. Dans un verset du Coran, voici ce qui est proposé.
Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer, chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte, et répand des bêtes de toute espèce, dans la variation des vents et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela, il y a des signes pour un peuple qui raisonne.